Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de déverrouiller des exploits dans Virée Colorée. Alors pour réaliser ce défi il faudra rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 0 3 2 1 8 9 9 8 8 4 9 4. Voilà, donc vous entrez ce code, vous acceptez la map, vous lancez en public cette fois-ci parce que ben voilà c'est mieux de le faire en public pour réaliser ce défi. Et le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc là vous attendez que la map se lance. Ok, donc quand vous êtes dans la map, ben, vous allez devoir attendre hein, parce que vous pouvez pas lancer la partie comme vous êtes en public. Donc vous attendez 60 secondes. En attendant, ce que vous pouvez faire c'est tout simplement appuyer sur triangle et mettre mon code créateur SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne. Et n'hésitez pas à l'actualiser parce qu'il s'efface toutes les deux semaines. Donc merci à tous ceux qui le mettent. Ok, donc là le jeu est en train de se lancer et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Donc en fait ici à gauche derrière vous avez un tableau de bord, il est marqué achèvement board. Et en fait vous allez devoir réaliser les défis. Donc vous allez devoir en réaliser 4. Donc là, parcourir le parcours. Donc là, collecter fort bonus XP. Donc, il faut que je collecte des pièces. Voilà. Ok, on collecte les pièces un maximum. Ok, teleporting to car in un moment. Donc, il faut que j'attende 15 secondes pour que les voitures se téléportent apparemment. Ok, à mon avis, on va être dans un jeu de couleurs. Ok, on est téléporté dans une map avec des voitures. Et là, c'est un peu comme un color switch. Enfin, il faut. Je pense qu'il va y avoir une couleur annoncée, donc rouge. Et il faut se mettre sur la couleur annoncée. Et là, regardez, déverrouiller des exploits d'environ coloré. Voilà, j'ai réussi un premier exploit. Donc là, bleu. Là, je crois que j'y arriverai pas. J'y suis pas arrivé, donc je meurs et je disparais. Donc on va aller voir, il y a d'autres jeux. Donc regardez, il y a Pro Fishing, Concert Stage, Mini Color Switch, Box Fight. On va aller dans Box Fight. Et normalement, il suffit juste de tuer une personne pour débloquer une récompense. Ok, donc là, regardez, j'ai tué une personne et j'ai débloqué un exploit d'enviré. Donc voilà. On va essayer d'en retuer une deuxième. Ok, donc là j'ai tué une deuxième personne, ça n'a pas fonctionné. Donc je pense que ça sert à rien d'en tuer plusieurs. Donc là je vais faire réapparaître. Ah non, je peux pas, je dois attendre que quelqu'un me tue. Ok, donc maintenant que je suis mort, je vais aller dans une autre faille. Donc là par exemple parcours. Je vais aller dans parcours. Et là ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement réaliser le parcours. Ou peut-être pas en fait, c'est un peu un color switch je crois. Faut que j'attende que les couleurs... Ah ok, ça m'a téléporté, faut que je collecte des points. Donc, à mon avis on va jouer tous ensemble. Et ensuite il faudrait que j'arrive à choisir un... Enfin, c'est comme color switch, hein. Il faudrait juste que je saute sur un pilier de la couleur annoncée. Ah non même pas, je suis encore téléporté dans les cars. Ok, donc apparemment c'est automatique ça, ça nous téléporte à chaque fois dans les voitures. Mais comme j'ai déjà débloqué un exploit, je pense pas que je vais pouvoir en débloquer un deuxième, on va quand même essayer. Ok, green. Voilà, je suis sur le vert. Ouais, ça ne débloque pas d'autres exploits, hein. Donc je vais me laisser tomber dans le vide. Donc je vais retourner dans parcours. Et on va voir... Ah si, il faut vraiment faire le parcours en fait. Ah, purple. Ah non, faut vraiment... Donc purple c'est violet. Si je me trompe pas, purple. What? Non, je pense qu'il faut que je fasse le parcours. Je pense pas que c'est un color switch ici. Donc hop, on va sauter. Ah mince.
Ouais, donc là, les couleurs, c'est pour les cars, les voitures, les autres qui sont en train de jouer à la voiture. Okay, donc là, je suis bientôt à la fin du parcours. Hop, voilà, j'interagis avec le bouton finish et voilà, j'ai débloqué un troisième exploit. Et maintenant, je vais essayer de débloquer un quatrième exploit. Donc, on va aller dans une faille encore. S'ils veulent bien me re-TP. Ah non, c'est bon. Ok, je retourne près des failles. Et spectacle above, mini color switch, concert stage, pro fishing. Bon, on va aller dans spectacle. Parcours. Ah non, c'est pour spectateur ça. Ok, donc là, allez pas dans spectacle. Parce que sinon c'est le mode spectateur et vous allez devoir attendre. Ça sert à rien. Quand vous êtes téléporté ici, essayez de vous tuer directement dès la première couleur. Comme ça, vous pouvez gagner du temps pour faire les autres défis. Parce que sinon, vous avez moins de temps en fait. Dès que la partie est finie, ça se relance une nouvelle partie dans les 15 secondes qui suivent. Donc laissez-vous tuer directement, ce sera plus simple et comme ça vous allez pouvoir choisir des portails et débloquer des exploits plus facilement et plus rapidement. Donc là, je vais choisir Pro Fishing. Donc, je suppose qu'il suffit juste de pêcher pour avoir un exploit, on va voir. Ok, le problème c'est que les autres pêchent en même temps que moi, donc c'est. Ouais, je sais pas trop. J'ai pas l'air de gagner d'exploits. Bon, attendez, j'ai pêché plusieurs exploits. Plusieurs poissons. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être les apporter là. Ok, en fait c'est ça. Vous pêchez des poissons, ensuite vous les apportez là où ça correspond, là où il y a l'image. Et comme ça, ben, vous terminerez un exploit. Donc là, je vous ai présenté comment débloquer les 4 exploits de ces défis. Dès que vous aurez complété les 4 exploits, ben, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec. Et ciao, peace.